Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode Papy Corse s'éclate sur Arc Survival. Il est 14h02, nous sommes le samedi 28 décembre 2019. Donc là on fait le métal, il nous en faut 5000 métal fondu. Donc lingots, hein, 5000 lingots. Donc il y a de quoi faire. Donc là je vais finir cette petite colline. Ok, merci planning, hein. À tout à l'heure peut-être. Hein. Ciao ciao et merci d'être passé, hein. Sympathique. À tout à l'heure peut-être. Ah, dans 30 minutes, d'accord. Ouais, on va manger même deux trucs, hein, tu peux, il n'y a pas de problème. Hein. En 30 minutes, on peut en manger deux ou trois même. Il n'y a pas de problème planning. Bah, c'est sympathique, tic, ça. Il y en a par là aussi, je crois. J'en ai vu. Là, juste derrière. Ça, c'est bon. Ok, Google. Tu mets une alarme dans 23 minutes, s'il te plaît. D'accord. Réglé à 14h26. Ok, super. Manger un peu. J'ai vu un Thérésie, faut que je fasse attention, je peux lui passer. Alors, j'en suis où là avec le métal? On doit rester encore. Hein. Ça, j'en veux pas, le cristal. Il doit rester. Il faut le trouver. Par ici. Voilà. T'es toujours là, Alexandre? Bah c'est bien, Alexandre, nickel. Bah, j'étais voir Topmu hier. Hein. J'ai dit bonjour, hein. D'accord. Il y a un autre qui m'a dit bonjour. Elle m'a dit bonjour, donc c'est... J'ai trouvé ça sympathique, tu vois. J'aime bien moi, ceux qui répondent à nos bonjours. Donc voilà, Topmu, elle répond. Elle est attentive à ses télé-twitchers. Bah, moi, je fais de la pub, hein, y a pas de problème, parce que j'ai apprécié, c'est tout. Donc hier, ils cherchaient du monde, apparemment, avec leur Wanagarm, là. Mmh. Ouais, Managarm. Ouais, moi, tu sais, c'est du Walog and Faux chez moi. Ouais, tu m'as fait coucou, Alexandre. Hein, y a pas de problème. Et puis, il y avait l'autre aussi. T'en as ras-le-bol, non? C'est comment il s'appelle, hein? Tous à tribord. Je sais plus. Ouais, ouais, c'était un nom assez. Toujours ras-le-bol, non? C'est pas ça? Aide-moi, Alexandre, tu dois connaître puisque toi tu y vas tous les jours. Salut Darktino, excuse-moi, j'ai pas vu. Darktino, c'est Tino? C'est Tino! Bah oui, Darktino, c'est Tino. Comment on va, mon ami? Bah alors? Il y a longtemps, on s'est vu. Qu'on s'est parlé plutôt. Ça va, t'as la forme, la santé? Ça fait plaisir. Bah moi, ça va, tu sais, je suis toujours sur le Twitch. Tranquille, tranquille. Tino, c'est avec... Ah, c'est avec Paco que je... Oui, c'est avec Paco. Ouais, parce qu'il y avait Shiro aussi, toi. Shiro Kaiser et Paco Tino. Ouais, c'est les deux binômes, voilà. Hein, qu'on... Toujours en traite. Ah, c'est ça. D'accord. Ouais, je me disais que c'était un nom à dormir debout avec un ticket de métro dans la poche. Hein? Vous n'avez rien compris, c'est grave. Ouais, toujours... D'accord, ok. Ouais, toujours, c'est TJ, je crois, TJR en traite, hein. Mmh. Ouais, ouais, c'est son nom. Bah, je te dis, c'était un nom assez bizarre. Ouais, ça va, Darty. Bah, on a fait misère à ta base hier, hein, et à Paco. Hein. Enfin, tes Rex Tech, ils nous ont fait la misère aussi. Hein. Ils étaient balèzes. Hein. Oh la vache. Voilà. Ouais, ouais, on a fait un peu de ménage, quoi. Hein. Mais bon, on n'a pas tout pété parce que c'est énorme ce que vous avez fait. Hein. Je voulais vous faire... Oh bah c'est gentil, Darktino, tu viens quand tu veux sur le Twitch, y a aucun problème. Ça nous a fait plaisir, parce que quand on n'a plus de nouvelles, on s'inquiète. Hein, voilà. Ah bah c'est gentil, ça. Ouais, Paco m'a dit, vous avez été dans une tribu... j'en parlais, justement. J'en parlais, vous avez été dans une tribu alpha, puis vous vous ennuyez un petit peu, parce qu'ils avaient tout, hein, c'est ça, non? Donc vous êtes reparti sur du privé, je crois, en x5. Enfin, il m'a expliqué un peu, Paco, hein, j'ai un peu de nouvelles de toi par Paco.
Mais c'est gentil, c'est sympa. Ça me fait plaisir. Sympathique, tic. J'espère qu'on rejouera ensemble. Ça sera cool. Parce que maintenant, c'est vous qui allez nous apprendre beaucoup de choses, hein, je crois. Hein. Nous devons savoir un peu plus que nous, peut-être, maintenant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends, ferme ça, toi. Qu'est-ce qui s'est mis là? Mes piles, mes poils. Ah ouais, c'est fermé, d'accord. Allez, hop, on va bouger. Une tonne 5, on va peut-être y aller là. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, presque 30. Ah, t'avais arrêté, d'accord. Je croyais que t'étais avec lui, Darktino, d'accord. Ouais, bah oui, bah tu te rappelles, on a passé des bons moments ensemble. Hein. De toute façon, c'est dans YouTube, hein, les épisodes. Hein. Jusqu'à 4h le matin, hein, 3h30, 4h le matin dans les. Dans le broyeur, là, hein, planqué en hauteur, tu sais, ah, te rappelles? C'était génial. Hein. 175, ouais, bah oui, ils nous ont bien accompagnés, sur 175 aussi. Hein. Et c'est avec aussi Tino et Paco dans le. Dans le privé, à faire des courses de Fionia aussi. Ouais. Ah ouais, non. Ah ouais, non, mais ça, quand je regarde, je suis mort de rire. Hein. On est obligé de penser à vous, hein. C'est obligé. Hein. Ah non, mais j'étais mort de rire, j'en pleurais. Hein. Sérieux. Hein. Ah ouais. Pour ça, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Franchement, ça serait super cool. Hein. Alors là, c'est par ici, c'est par là. En obsidienne? Ah. T'aurais pu charger quand. Surtout en. Ouais. D'accord. Donc tu vas au volcan après, peut-être. Non, mais une fois. Une fois que tu vas à la maison, tu reviens. Non? Et tu prends que l'obsidienne, tu iras plus vite, non? Il ralentit un peu ton piaf là? Ouais. Non, viens chez toi et mets-le, hein. Je vais remettre de l'essence. Là, c'est mon deuxième voyage. T'en as combien de métal pour voir à peu près? Une tonne 7. Ah, ça fait 900 quand même. Ah bah oui. Ah bah il faudra encore 800. En métal, on est peut-être bon, il faut voir. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais. Ok. Donc ça c'est quoi ça? Non, il faut que je prenne l'aigle. Là, parce que je suis dans l'aigle là. Ah zut, je peux pas avoir le. Voilà, ok. Forge industriel. Non. Ah, oh, c'est pas possible. Voilà. C'est évident leur truc là. 2, 4, 6, 8, 10. On en a déjà 1000 métaux. Hein, impeccable. Hein. La technique du fouet. Pour désarmer. Les personnes, ou pour faire avancer un animal qui est bloqué ou qui nous bloque. Est-ce que tu as autre chose à me proposer, Darktino? La technique du fouet. Vas-y, hein, je suis preneur. Je t'écoute, Tino.
Tu jettes tout ton métal ou autre au sol, tu prends le fouet, tu fouettes tous les objets sont sur toi. Ah ouais? Ah, tu ramasses les objets. Tu sais quand tu peux plus avancer? Ça t'a jamais arrivé de lancer plusieurs fois en avançant jusqu'à l'atelier ou. Voilà. Et tu vas à côté de l'atelier, tu fouettes et puis tu récupères tout à côté de l'atelier par exemple. Bah, c'est intéressant. Ça sera peut-être intéressant d'avoir un fouet toujours sur soi là. Ouais. Ah bon? Bon, bah, c'est ce que je vais prendre, mais bon, t'as que 10 trucs en bas. Ah ouais. Mais bon, après, t'es pas obligé de le mettre, tu me diras, sur la barre de raccourci. Hein, tu le mets dans ton inventaire. Ça pèse combien, ça, un fouet? 5 kilos, non? Bon bah là je vais aller à la maison, je vais prendre tout le métal, hein, ça fera toujours ça. Donc là ça fond. La peau je la prends hein, dans la forge. Donc je vais prendre le maximum de métal, je vais mettre dans l'aigle. Ok. Si je m'en sors bien, c'est grâce au télétuteur aussi. Hein, parce qu'il y a des trucs. Et aussi à Kaiser. Hein. La partie, je l'aurais pas fait tout seul. Hein, ça, c'est clair. Hein. Bon, il y a des trucs aussi que j'ai écouté. J'aurais pas dû. Hein, comme mon Basilo avec la pieuvre alpha. Hein, par exemple. Oh la vache. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 60. Ouais, c'est pas trop mal, hein. 13, 60, cette technique, elle m'a dépanné plus d'une fois. Ouais, bah je crois que avec ton conseil, je vais prendre un fouet tout le temps sur moi maintenant. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Question, est-ce que ça marche dans l'eau? Quand t'es sous l'eau? Est-ce que tu peux fouetter un animal marin, par exemple, dans l'eau? Pas au bord du rivage, parce qu'on va me dire, oui, mais un animal marin, c'est dans l'eau, évidemment, oui, mais bon. Mais quand tu es à côté, à proximité. T'as jamais essayé? Ah, d'accord, ok. Alors, faudra qu'on essaye pour voir. Moi, j'ai des questions bizarres, moi, à chaque fois. Bon là, je reviens à la maison. Je vais mettre tout ça dans le coffre parce que le réplicateur, on le fait dans le drop, hein, on peut pas le faire ailleurs. Hein. Ok. Et après, on peut le faire dans un réplicateur, un autre réplicateur, non? Mais bon, j'aurais sur Arc et un PC gaming avec ton accord, j'aurais pu venir vous aider. Ah, il faut faire l'épreuve, Alexandre. Bon, là, je te connais, pas de problème. Après, faut que je voie comment que tu joues. T'as, comment dire, ta persévérance à jouer. Et le mieux, c'est sur le 175. Il me manque de perles noires, tout à fait, Alexandre. Ouais. Faut voir la régularité, toi. On avait bien commencé avec Paco, Tino, Kaiser, Shiro, c'était bien, hein, t'as nickel. Et il ben, y en a qu'un qui est resté, quoi, Kaiser. Et c'est dommage, on était bien bien parti. Donc pour ça, je voudrais pas que ça se refasse parce que j'ai pas envie après de m'inquiéter pour eux parce que je me disais, purée, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas ou je leur ai dit quelque chose qui les a vexés. Tu vois, on se culpabilise après. Si on se fâche, bon, bah voilà, hein, je me fais une raison. Et bon, voilà, on s'est fâché, il y a eu un malentendu, on s'est envoyé paître, il est parti, ok. Mais là, non, tu vois, c'était. C'est dommage.
Après, bon, ils ont leur raison. Il n'y a pas de problème. Ça, ça avançait peut-être pas assez vite pour eux. Les connaissances, surtout Tino, c'est Tino qui pétait tout le monde. Hein, il prenait les animaux, il allait au charbon, lui. Hein, ouais, il me semble. Hein. Ouais. Ah ouais, ça, je m'en rappelle. Hein. Un petit peu vachement zélé, lui. Hein. Pétait tout le monde, lui. Ah ouais, c'est toi, Tino. Ah ouais, tu rigoles, c'est toi. Hein. Je m'en rappelle. Hein. Même Paco, il est fou, les fous. Et ouais, c'est ça, voilà, ok. Ah ouais, alors, c'était trop ça. Ouais, donc le métal. Ah ouais, donc faut que j'enlève. Est-ce que je peux le mettre directement dans le drop ou pas? Non, peut-être pas. Hein. Si je fais une mauvaise manipule, on peut tout perdre, non? Pour les cryos? Hein? Ah voilà, donc non, on doit faire deux fois l'araignée encore, donc il vaut mieux pas que je le mette dedans. Ok. Dans les offrandes? Ah ouais, d'accord, ok. Donc vaut mieux pas alors. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais, j'enlève de la chitine parce qu'il n'y a plus de place dans le coffre. Voilà, on commence à mettre de côté, donc... Mais non, c'est quoi ça? Pour le réplicateur. Ouais. Donc là, tu t'occupes surtout de l'obsidienne, si tu peux en ramener encore 1600, c'est ça? 800, je veux dire. Ouais. Bah, je vais aller le chercher, ouais. Bah, c'est pas grave, t'as l'obsidienne, hein. C'est lourd aussi ça. Une tech depuis peu sur The Sun pour avoir plein de ciment. Alors, bah, le ciment, on en a. Pouf! Pas tout, elle a une dizaine d'escargots, on en a à foison. Hein. Non, mais on a un coffre plein. Parce qu'il a une technique d'Arctino pour avoir plein de ciment. Vas-y, tu peux dire, hein, parce que ça peut nous servir sur le 175 d'Arctino. Hein. C'est clair, hein, si on peut, tu peux nous faciliter la tâche sur The Island 175, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, bah, je retourne chez toi chercher l'obsidienne. Comme ça, du volcan, tu peux venir directement à la maison si tu veux. Salut Crocodile, comment vas-tu? Bah tranquille, moi tu sais. Hein. Ça va. Tout va bien. Exactement, c'est ce que je voulais te dire. Ah, c'est pour les escargots? Ouais, non, bah ça... Sur 175, c'était très très difficile d'avoir des escargots et faire du ciment. Comme les bousiers, parce que chaque fois on se faisait péter. Hein. Après Tino, si tu veux reprendre sur 175, il n'y a pas de problème, hein, Tino. Le but, c'est de faire l'histoire sur 175. C'est... L'objectif premier, c'est de faire l'araignée avec des mégatériums, hein, pas des animaux de d'autres cartes. Après, si ça te branche, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, faut que tu t'attendes à te faire péter tous les jours. Ça pourrait changer, ça.
Ouais, ça c'est clair. Pour l'un, que ça va faire. Ça va aussi, crocodile. Bon, bah nickel alors. Ouais, mais faut planquer les escargots d'Arctino. Faut les mettre dans les cryos à la limite. Et pendant que tu joues, faut qu'ils fassent du ciment. Donc faut y jouer au moins 2 heures pour que ça soit rentable. C'est quoi? C'est un jaune, c'est un orange, c'est quoi ça? C'est un rouge? Non, c'est pas. C'est un vert. On va toujours aller voir. Ça a l'air d'être un vert, ça. Ouais, non, mais j'ai la petite porteuse, donc je vais pas l'envoyer au charbon. Je sais pas, des schémas, on verra bien. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi, ça? Ah, un piranha, dit. Il est mordu les fesses, bourricos. Donc là, crocodile, on rassemble tout ce qu'il faut pour le réplicateur. Oh, je suis pas trop loin. Je vais. Oh, j'aurais dû y aller tout à l'heure. Chercher l'artefact, un artefact pour faire l'araignée après. Là. Alors, t'as mis ça dans quel coffre? L'obsidienne. D'accord, ok. Allez, on va prendre l'obsidienne. Ah oui, c'est vrai, le F. J'oublie encore. Super. Ah, bien. Bien, 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 si c'est super, alors. Pourquoi super? T'as plus mal aux dents? T'es en week-end, tu te reposes. Il fait beau, en plus, hein. On a du soleil chez nous, hein. Nickel. Alors ça c'est pour l'obsidienne. Et là, hop, on va prendre le métal de... Peut-être Nono, non? Oui. Ah ouais. Alors, combien là? 2, 4, 6, 640. Bon, bah écoute, hein, c'est mieux que rien. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Donc encore 800 et c'est bon. Pec, pec. L'aigle, il est à 810 kg. Bon, bah c'est bon. On va peut-être pouvoir aller chercher l'artefact juste derrière. Ça m'évitera d'y aller. J'aurais dû prendre mon petit laco là-haut. Bon, c'est pas grave. J'ai de la marge. Il faut 2 artefacts de chaque. Il faut que je fasse au moins les 3 grottes une fois. Donc on va en chercher un artefact. J'ai pas demandé une alarme à Google, moi, il me semble. Ah, je savais bien. Ok, Google. C'est toi. Je le savais bien. Ah, il faut que je fasse des gachas aussi. Donc, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.